Salut à tous, on est samedi, il est 10h, ça fait à peu près 4h que je suis levé et j'ai toujours pas commencé à bosser. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer ce que je vais faire pendant la journée d'aujourd'hui, histoire de vous montrer comment j'avance sur mes illustrations parce que là le but c'est de trouver le design des personnages du roman pour réussir à avoir des personnages cool et intéressants. La première étape c'est de construire un peu mon espace de travail, là c'est un peu... Non c'est pas vraiment le bordel, si on je dis que ça c'est le bordel, c'est peut-être un peu abusé, mais l'idée c'est de garder que ce dont j'ai besoin pour faire mes illustrations. Donc un carnet, un marqueur, mon iPad pour pouvoir dessiner dessus, et c'est tout. Je suis prêt au niveau du matériel puisque j'ai mon iPad avec mon stylet ici. J'ai mon carnet de recherche au format A5 qui m'a permis de faire les recherches que j'avais faites précédemment sur les personnages. J'ai là mes marqueurs qui ont différentes tailles, pareil pour les feutres un peu plus larges. Et ces feutres-là, je les trouve très pratiques parce qu'ils me permettent d'avoir un côté fin comme ça. Et un côté plus large comme ça que j'utilise davantage, qui me permet en gros de faire ce genre de trait assez facilement. Je crois que j'ai d'autres feutres de ce genre-là quelque part chez moi, donc je sais pas trop où ils se trouvent. Mais pour l'instant, le seul que j'ai, il est noir et j'aimerais bien avoir d'autres valeurs de gris, donc je suis quasiment certain que j'en ai, on va aller voir. Ils sont juste en haut. Donc à l'intérieur de ce paquet de feutres, j'en ai pas mal, comme ça. Et donc là, je peux repérer que j'en ai des gris qui vont me servir pour mes nuances et mes valeurs dans mes illustrations, en tout cas cette faite à la main sur mon carnet. Et vu que mes illustrations sont faites en noir et blanc, je vais pas avoir besoin d'autre chose que tout ça. Juste pour l'exemple, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà le type de nuances que je vais pouvoir obtenir avec ces feutres. Mais le thème du jour, c'est pas de vous parler de comment est-ce qu'on fait un rendu graphique avec différentes valeurs et différentes nuances de gris. C'est plutôt de vous parler de design en lui-même. Et donc j'ai une liste avec les caractéristiques des personnages du roman que je vais devoir illustrer. Je vous avais déjà parlé du personnage de Aaron dans le journal de bord précédent, donc aujourd'hui on va partir sur les autres personnages qui sont pour moi plus compliqués à imaginer, donc ça va être justement tout le défi. Là, je suis en train de dessiner le personnage de Sam, qui est donc le deuxième dans ma liste après le personnage de Aaron, donc c'est un personnage qui lui aussi est important. Je connais son nom, je sais qu'il a 25 ans, qu'il fait 1m75-65 kg, qu'il a les yeux bleus, qu'il est châtain, mi-long en bataille, qu'il a un teint intermédiaire, qu'il a des cernes, qu'il a des lunettes et qu'il est assez mince tout en étant un jeune idéaliste. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de savoir son âge, sa taille, son poids, parce que ça me permet de connaître son gabarit, sa corpulence. Et aussi de savoir qu'il a des lunettes, ça me permet de savoir un peu quel sera son type de regard. Il faut aussi que je trouve à ce moment-là son type de paire de lunettes. Donc pour ça aussi, il faut que je fasse des recherches pour trouver ce qui correspond le mieux. Et surtout, là où j'ai le plus de mal, en tout cas c'est ce que je remarque dans la dernière demi-heure où j'ai dessiné, c'est que le côté jeune idéaliste, j'ai du mal à le retransmettre. Je pense que c'est une mauvaise habitude que j'ai, mais dès que je fais des personnages, ils ont souvent l'air tristes ou énervés ou méchants. Je crois que c'est parce que j'aime bien dessiner les sourcils et dessiner des expressions visage comme ça, mais même quand je vais dans mes précédents dessins, j'ai l'impression de dessiner que des gens tristes. On a un exemple ici, un autre là, un autre encore ici. Alors que justement, si c'est un jeune idéaliste, il faut pas qu'il tire la tronche tout le long du livre. Donc il va falloir que je trouve des exemples aussi en termes d'expression dans des photos que je vais trouver. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir l'âge, les caractéristiques physiques, ce genre de choses, parce que je peux trouver des personnes, genre des personnalités ou juste des personnes au hasard sur internet, qui ont ces caractéristiques-là et qui peuvent servir de référence. Par exemple, pour le dessin que j'ai fait ici, je sais pas du tout si ça se voit et c'est pas vraiment le but, mais pour la forme de la mâchoire et trouver quelque chose de moins enfantin et bizarre, je trouve que ça. J'ai pris pour référence Daniel Radcliffe, je sais pas comment on dit, pour justement reprendre sa mâchoire ici. Bon, là il fait la gueule donc ça m'aide pas vraiment pour mon souci, mais. L'autre truc aussi, c'est que mes personnages ils ont pas toujours l'air méchants ou tristes, mais ils ont aussi l'air parfois trop vieux. J'ai du mal à faire des personnages qui soient jeunes, on va dire, de mon âge, donc qui ont la vingtaine, comme le personnage de Sam qui est censé avoir 25 ans, et qui n'ont pas l'air d'enfants ou pas l'air de vieillards ou de gens de 30-40 ans. Et c'est un truc qui me bloque assez parce que j'ai tendance à faire trop de traits sur mes personnages, et à chaque fois qu'on fait un trait en trop, que ce soit là, que ce soit sur le front ou quoi que ce soit, une sorte de ride en plus, forcément on va donner 5-10 ans à notre personnage direct. Et j'ai quelques exemples juste là. Ce personnage-là, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais je parle aussi par exemple de la tronche qu'il a. De celui-là qui a les yeux qui partent totalement vers le bas, qui a l'air totalement déprimé alors que le personnage est censé être déterminé. Alors que celui-là fait beaucoup trop enfant. Bon là je suis parti sur un moustachu, ça a absolument rien à voir. Là je me suis directement arrêté parce que vous voyez que rien qu'avec ce trait-là, je sais pas, il y a un truc qui fait aussi qu'on dirait qu'il a l'air chauve, que sa tête est beaucoup trop ronde. Sa tête est comme ça au lieu d'être plus allongée. Donc forcément il fait beaucoup plus vieux que ce qu'il devrait être. J'ai tenté de faire différentes formes de visage aussi, mais c'est devenu beaucoup trop cartoon trop rapidement et c'est pas vraiment ce que je veux. Une tentative de pose, juste là, assez dégueulasse. Et c'est ensuite qu'on arrive à des personnages qui me plaisent un peu plus. Donc là, il a toujours l'air vieux,
Mais je trouve qu'il y a un truc qui marche davantage. Donc ça, à mon avis, c'est Sam, mais plutôt à 45 ans. Donc il a 20 ans de trop. Et là, c'est pas du tout prévu au départ, mais je trouve que mon perso, il ressemble vachement à Tim Cook, le CEO d'Apple. C'est pas une mauvaise chose, hein. Ça veut dire peut-être que je me suis ancré sur lui dans ma tête, parce que j'ai vu une vidéo où je l'ai vu là, peut-être ce matin. Donc il y a peut-être une liaison qui s'est passée, qui m'a fait prendre la structure du visage d'un gars que j'ai vu quelques heures avant pour le dessiner. Et par exemple ici, c'est un autre essai pour le personnage de Sam, mais qui cette fois, je trouve, ressemble à Sammy de Scooby-Doo. Il manquerait plus qu'une petite barbichette là, et c'est parti. Donc je me suis dit que je partirais pas sur cette forme de visage là, parce que c'est pas vraiment le visage le plus déterminé que je trouve. La forme du visage de votre personnage, elle va en dire long sur sa personnalité. S'il a un visage rond, s'il a un visage petit, s'il a un visage élancé, s'il a un visage plus pointu, triangulaire, ça va dire des choses sur qui il est, sur comment il va interagir avec le monde. Et tout ça, bah, c'est des indices visuels pour comprendre la psychologie de ton personnage et donc ton histoire. J'ai continué à travailler sur ce personnage-là en essayant de trouver différentes positions aussi qu'il pourrait avoir, différentes expressions, là aussi. Celle-ci qui est un peu exagérée, je sais pas si elle servira dedans, mais c'est juste histoire de travailler tout ça. Et juste avant de vous montrer un endroit où je puisse des références et où j'ai trouvé quelques inspirations pour mes personnages que j'ai fait juste après, je voulais juste vous parler d'un sentiment que j'ai eu pendant que je dessinais, parce que là, en gros, dans la vidéo, vous allez voir toute une journée, voire 2 jours. Et je passe par différentes phases, en fait. Il y a des phases de pause où je me pose sur mon lit, où je fais rien de spécial, ou alors je fais des trucs que je regrette juste après, comme par exemple, je sais pas, regarder un truc marrant pendant 1 heure et puis être juste là, apathique, devant mon truc, sans que ça me rende spécialement heureux. Donc dans ces moments-là, quand je reviens à ma table de dessin ensuite, je me sens vraiment mal, pourri quoi, je suis pas bien. Et c'est petit à petit en voyant d'autres images, en réfléchissant à l'histoire, en me disant que bah, c'est important que je fasse ça, et surtout que ça me plaît, et que je vais trouver un truc intéressant là-dedans, bah, à ce moment-là je suis plus heureux, et c'est pour ça aussi que je suis tout souriant comme ça, alors que je suis juste dans mon salon tout seul en train de parler à une caméra que je tiens à bout de bras, en me demandant si ça va donner une vidéo que j'aimerais bien à la fin ou pas, mais je pense que oui là, parce que j'aime bien ce que je fais. Je me sens tout euphorique d'un coup là. Parce que ouais, en gros, je veux surtout vous dire qu'il y a des moments quand vous allez designer vos personnages ou quand vous allez juste écrire votre histoire, quand vous allez faire une bande dessinée, une animation, peu importe, vous allez vous sentir parfois très mal. Ça peut être parce que vous avez mal dormi, mal mangé ou parce que vous n'avez pas d'idée. Tout en sachant que dans les trois cas, il y a des solutions pour que ça aille mieux. Et ce qui m'aide justement bah, à repartir sur le bon pied, surtout quand il s'agit de design de personnages ou de composition ou de créer des scènes, je me mets à regarder des vidéos qui m'inspirent ou alors des images sur internet qui me permettent de donner des idées visuelles ou juste de me dire, il y a des tas de trucs cool à faire. Je vous conseille ce Pinterest-là qui s'appelle Character Design References et qui va regrouper des tonnes et des tonnes d'images qui peuvent être inspirantes pour vous quand vous designez vos personnages. Donc encore une fois, bah, c'est un conseil que m'a donné ma copine Céline qui s'y connaît définitivement beaucoup mieux que moi en termes d'image, d'animation, donc c'est cool d'avoir ces conseils. Et donc là, pour trouver un peu d'inspiration durant ma phase de design, je suis allé là-dessus pour voir plein d'images différentes qui sont vachement inspirantes en termes de forme, en termes de couleurs. C'est pas trop ce qui m'intéresse, les couleurs, mais c'est surtout en termes de forme et d'expression. Ça m'a vraiment permis de me motiver un peu et puis d'avoir un peu d'inspiration sur quelques formes ici, quelques visages qui ont été complètement bazardés ensuite par tout ce que j'ai dessiné derrière, parce que c'est pas une feuille très épaisse, alors forcément mes feutres ça transperce. Et ça a donc donné cette image-là. C'est l'une des images que je préfère pour l'instant parce que, en gros, lui c'est Sam et lui c'est Charles. Et Charles c'est son grand frère qui va être l'antagoniste dans l'histoire. Donc, l'idée ici c'est de pouvoir les designer qu'ils soient assez semblables pour qu'on comprenne qu'ils soient frères, que ça soit visible visuellement. Mais qu'en même temps il y a des différences, que ce soit par la taille, le fait qu'il ait une barbe et lui non, le fait qu'il ait des lunettes et lui non. Et pour les ressemblances, bah, je me suis dit que les points intéressants c'était évidemment les points du visage, donc le nez, les oreilles. Je m'étais dit quoi d'autre? Et la forme de la tête. Donc, avec ces trois éléments-là, je peux avoir les ressemblances et ensuite tout le reste ce sera des différences. Qui vont faire, bah, qui sont chacun un personnage individuel. Alors ceci est une vaine tentative pour que la feuille ne bouge pas pendant que je vous parle. Comme je le disais, la forme des visages des personnages va déterminer leurs expériences et aussi leur personnalité et leur rôle dans l'histoire. Donc je veux que le visage de Sam soit plus rond et plus attrayant que celui de Charles, qui lui au contraire va être beaucoup plus pointu, beaucoup plus sinistre et beaucoup plus peut-être aussi creusé. Il faut qu'en voyant Charles, on ressente une menace et qu'en voyant Sam, on ressente un espoir. Et donc vous voyez ici par exemple qu'ils ont le même type de nez et qu'ils ont le même type d'oreille. Donc schématiquement, leur nez va ressembler, je pense, à quelque chose comme ça. Très très schématique, mais on va dire que ça passe. Et que leurs oreilles vont aussi être un peu pointues comme ça. Et là, ma référence en termes d'oreilles pointues, je sais pas si c'est très glorieux, mais c'est Requin dans Foot de rue. Ou en tout cas, c'est le premier perso qui m'est venu en tête quand je pensais oreilles pointues. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de s'inspirer de personnes humaines, en tout cas de photos, de gens, etc. C'est important pour avoir une structure cohérente, mais on peut aussi s'inspirer d'autres personnages, de choses qu'on a vues un peu partout. Et on va mélanger ensuite tout ça pour que ça corresponde à ce qu'on veut. Je vais passer maintenant aux vêtements, donc aux tenues de Sam et de Charles, qui sont assez différentes normalement. Donc j'imagine Sam plutôt en t-shirt ou en chemise simple, alors que Charles est vraiment défini comme quelqu'un de très élancé, ayant un costard, il est menaçant, c'est pour ça qu'il a un costard. Donc je vais faire quelques recherches là-dessus et voir ce que ça donne, et je pense que dans cette vidéo, je vous montrerai pas d'autres personnages que Sam et Charles, parce que ça me semble déjà être pas mal
long pour ça. Donc il y aura évidemment d'autres vidéos où je détaillerai comment est-ce que je construis les autres personnages. Il est presque 22h maintenant, donc ça fait toute la journée que je travaille, pas en continu, hein, j'ai pris des pauses, j'ai fait d'autres choses, mais en tout cas je suis arrivé au bout de ma journée au niveau de l'illustration. Donc je vais vous montrer maintenant comment est-ce que j'ai avancé sur les vêtements, notamment exclusivement de Charles. Donc je sais que Charles il est en costard, donc j'ai commencé à faire quelques petits essais. Ce que j'apprécie avec l'idée du costume, c'est que je peux faire quelques traits vraiment vifs, et ensuite tout remplir en noir, donc après il faudra évidemment les bons éclairages. Encore une fois, il faut que je fasse attention à pas le faire trop vieux, malgré son air menaçant. Parce que comme je peux le voir sur l'affiche, Charles il est censé avoir 33 ans. Ensuite j'ai fait ce dessin là, que j'aime assez bien, parce que ça représente bien son côté menaçant. Il va falloir que je travaille aussi à bien représenter les ombres qu'il y a sur les visages, pour que ce soit crédible. Là par exemple il manque un petit éclat de lumière pour la bouche. Ici il a un côté vieux pirate que j'apprécie bien, mais j'ai l'impression que dans le livre il est censé être plus classe que ça en fait. Là par exemple je peux voir que son costume est trop grand, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il fait un peu trop négligé alors qu'il est censé être plus classe. Donc sur la page suivante je l'ai fait un peu plus élégant en essayant d'avoir un mouvement sur la main avec des mains pas très bonnes. Et je pense que son attitude, donc au niveau de l'expression et aussi au niveau de ses vêtements, ça va être soit méprisant et arrogant comme ça, et dans certains moments il va être énervé comme on peut le voir ici. Donc là encore je sais pas trop s'il paraît trop vieux ou pas, mais ça m'a bien plu de faire notamment ce dessin là. Parce que je suis assez content de son expression et ça joue à peu de choses hein, des fois, c'est juste au niveau là du sourcil qui fait une sorte de vague, qui montre son étonnement, enfin plutôt son agacement. Vous remarquerez certainement que j'ai pas avancé au niveau des vêtements de Sam, ni au niveau de leur visage en eux-mêmes, parce que je suis pas encore sûr de ce à quoi ils vont ressembler. Mais en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette journée d'aujourd'hui. Et la prochaine fois je parlerai de la composition, parce que je veux pas passer mon temps sur les personnages ou sur leurs vêtements, sur leur design, sur leur apparence. Et comme ça ça me permet d'alterner un peu entre des phases de design de personnages, des phases de design de plan en eux-mêmes, de composition, de mise en scène, et de pas commencer à m'ennuyer sur une partie ou une autre. Donc comme ça je peux un peu diversifier les trucs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine incursion dans mes aventures d'apprenti illustrateur, et d'ici là évidemment comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.